sportifs se blessent parfois. Un médecin du sport de Rennes a inventé un shorty qui évite les pubalgies et soutient les adducteurs. Les sportifs qui l'utilisent, surtout les footballeurs, semblent conquis. Ce vêtement technique est fabriqué en Bretagne. Quel est son principe? Eh bien, c'est Gilles Raoul et Thierry Bouilly qui nous l'expliquent. Ils font souvent la une de l'équipe, pourtant vous ne les connaissez pas. Normal, le shorty strap se porte la plupart du temps sous un short. Le but de ce cuissard d'un genre un peu particulier, élaboré par ce médecin du sport et son associé, est de prévenir et soigner les pubalgies, comme les lésions aux adducteurs. Fabriqué dans cet atelier breton à Saint-Denoual, ce shorty avec ses élastiques un peu particuliers réduit les douleurs de la région pelvienne, bien connue chez les sportifs. Ce short fonctionne grâce à ces deux élastiques. Ces deux élastiques entraînent un rapprochement des jambes qui font que les muscles adducteurs sont soulagés puisque ces deux élastiques les aident. Les muscles adducteurs, ce sont eux qui souffrent dans la pubalgie. Et d'autre part, lors de la course, comme ces deux sangles élastiques maintiennent les jambes, la foulée est beaucoup plus propre et il y a moins de cisaillement au niveau du bassin et donc moins de douleur. Née il y a 6 ans, la petite entreprise exporte de plus en plus à l'étranger et a même déposé un brevet. Aujourd'hui, la pubalgie touche environ 7% des sportifs de haut niveau entre 25 et 30 ans et particulièrement les footballeurs. Je pense notamment à la sélection de Côte d'Ivoire et plus précisément à Didier Drogba qui a connu pendant toute sa carrière des blessures à répétition. Depuis 2 ans, il utilise des shorty straps régulièrement et n'a plus rencontré à nouveau cette blessure. C'est vrai, certaines actions typiques au football, comme le tacle, les contre-pieds ou encore les écarts latéraux, favorisent cette pathologie. Je revenais d'une déchirure aux adducteurs, ce qui fait que chaque mouvement un peu brusque ou des fois ça m'arrive de perdre l'équilibre ou de glisser, mais ce qui fait qu'avec les élastiques, ça contracte et ça compresse bien les adducteurs, donc ce qui fait qu'on arrive à faire des petits pas, des petits mouvements, et souvent, quand tu vas à gauche, tu pousses ton adducteur à gauche, le shorty te ramène un peu, et en fait, il te tient, il t'aide de support, donc ce qui fait que c'est vraiment très bien pour soi. Une aide technique qui s'adresse également aux artisans plombiers, cuisiniers, électriciens qui marchent toute la journée, comme les coureurs de fond.